Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de montrer un projet photographique, c'est de le montrer dans la rue, parce que c'est une façon très accessible de voir des images. Les gens s'arrêtent, ils passent, ils sortent de chez eux sans savoir qu'ils vont aller voir une exposition photo. Ils ont lu des informations sur un sujet auquel ils ne pensaient pas en sortant de chez eux. J'ai commencé ce projet tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on ne parle pas assez des accords de Schengen. J'ai cherché une façon d'illustrer à l'image cette étape de la construction européenne. J'essaye le plus possible de faire ces photos avec des personnages. Je veux que ces lieux soient habités. Et j'ai calculé que j'ai traversé la frontière plus de 1000 fois pour ces projets. Le but de ces projets, c'est aussi donner une nouvelle iconographie au mot frontière. Souvent, quand on parle des frontières, on pense poste de douane, barbelés, murs, douaniers. On n'a pas des images autres. Voilà, moi je voulais amener une autre iconographie à ces mots. N'oublions pas les acquis positifs de la construction européenne, parce que souvent ils sont beaucoup plus importants que les problèmes dont on parle aujourd'hui, alors que la liberté de circulation est un acquis qui va rester pour les générations à venir.